Alors dans l'assiette, vous avez un sablé reconstitué chocolat orange avec une mousse à l'orange. Dessus, vous avez une tuile de pain. Il est 11h, l'épreuve est terminée. Le jury chargé de la dégustation analyse le travail rendu. C'est crémeux, c'est croquant à la fois. Ça manque un peu de fraîcheur. Tout a commencé un peu plus tôt dans la matinée, il est alors 8h. En cuisine, 8 candidats juniors s'affrontent pour réaliser un dessert à l'assiette, original et inédit, en 10 exemplaires. L'objectif, convaincre deux jurys que leur création est la meilleure. Ce qui est jugé, c'est la technicité de chaque candidat, l'évolution, la partie créative, l'histoire qu'ils vont créer autour de leur dessert. Et après, au niveau du temps qui est très serré, 3 heures pour réaliser 10 assiettes, pour des juniors, c'est quelque chose d'assez important, donc on sent qu'il y a une petite pression. Il faut rester concentré, éviter de vraiment trop stresser, contrôler ses mouvements bien et contrôler sa gestion de temps. Certains d'entre eux, comme Clément, sont arrivés ce matin gonflés à bloc, préparés physiquement et mentalement, carrément comme des sportifs de haut niveau. J'ai pas compté les heures, mais dernièrement, j'ai enchaîné 8 entraînements là. Depuis jeudi dernier, donc forcément après on devient un robot, quoi. C'est le but. Un robot sur les techniques et après il faut quand même prendre du plaisir et s'amuser quand même. Ce concours qui existe depuis 1974 a été instauré par le Centre d'études et de documentation du sucre dans un but bien précis. On s'est rendu compte que les chefs cuisiniers étaient toujours mis à l'honneur dans les restaurants et que le pâtissier était dans l'ombre du cuisinier. Donc aujourd'hui, ça a permis de faire évoluer ce poste. Aujourd'hui, on va dans un restaurant pour goûter la spécialité du chef, mais aussi le dessert du pâtissier. La finale nationale se tiendra les 4 et 5 avril prochains à l'école hôtelière de Grenoble, sous la présidence d'Emmanuel Renaud, chef étoilé du restaurant Flocon de Sel à Megève.